La miniature du jeu, hein. Ouais, c'est très beau, très très sympa. Ah, ça commence. Bonne soirée, Mister Steve, merci beaucoup d'être passé. Je vais mourir. IRL. Hello Willow, bienvenue sur le live. Bonsoir, bonsoir. T'as vu un truc avec le 22? Bah ouais, c'est marrant ça quand même. Enfin, pas très marrant de mourir, mais. C'est parti. J'ai peur. En fait, j'ai peur par anticipation. Et c'est ça mon problème dans les jeux d'horreur, entre guillemets. Même dans les jeux tout court, en fait. 30 septembre 1998. Est-ce que le son du jeu s'épand ou pas? Une date gravée à jamais. Le flic en moi est mort ce jour-là. C'est vrai que je ne connais pas du tout l'histoire de RE1. Hein. J'ai réussi à m'en sortir. Et beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Ensuite, on m'a demandé de rejoindre un programme gouvernemental top secret. C'est pas comme si j'avais eu le choix. Non, jeu d'horreur, il n'y a pas de sound alerte. Les missions éprouvantes ont presque eu ma peau. Mais au moins, ça m'a permis de penser à autre chose. Si seulement je pouvais oublier cette nuit-là, la douleur. C'est ultra bien fait, genre au niveau des détails de la peau et tout. Hein. Ce sera différent. Oh! Mais c'est mon bébé! Il le faut. Coucou Léno! Bienvenue sur le live. Bonsoir, bonsoir. C'était mon bébé Ada? C'est bon du coup pour le son? J'ai monté un petit peu normalement. Waouh! Alors, 6 ans se sont écoulés depuis que Léon S. Kennedy a rééchappé de l'incident de Raccoon City, une catastrophe biologique sans précédent causée par Umbrella Corporation. Après s'être distingué en tant qu'agent spécial au service du gouvernement américain, il se voit confier la mission de retrouver la fille disparue du président. Les recherches l'emmènent dans un village isolé d'Europe, où la jeune fille kidnappée aurait été aperçue pour la dernière fois. Ça ressemble beaucoup à Resident Evil Village, hein, quand même. C'est joli, on dirait un film, c'est très très joli. Ada, c'est son crush. Ah, Léon ? C'est pour ça que Seroth voulait être mon Léon, alors. Moi, j'ai déjà le jeu complet depuis hier soir. Ah, mais il sort pas demain ? Sérieux ? Ça me fait bizarre d'entendre la voix FR de Léon sur RE4, car il n'était qu'en anglais avec sous-titres. Ah oui, j'avoue, j'ai mis en français, mais... Je vous ai pas demandé, désolé. Rien, pas même son traumatisme passé n'aurait pu préparer Léon au cauchemar et à la folie qu'il allait y trouver. Oh, c'est très sombre. Oh mon dieu. Oh la vache. Ah, moi j'ai dit, il n'y a aucun souci la journée, mais le soir, les gars. Le jeu est ultra beau. Genre, rien que l'eau par terre avec les feuilles et tout là. C'est super bien fait. Oh, je vais avoir ultra peur. Vous entendez les trucs qui grouillent là-bas, là? Ça commence direct, ouais. Pourquoi il me dit de courir maintenant? Mais où est-ce qu'il est passé? Oh, punaise. Oh, mon dieu. C'est normal que ça ressemble à RE8 car ils se sont inspirés de RE4 pour le faire. C'est pour ça que c'est à peu près la même scène. Comme quoi, quand ça marche pas, c'est la faute des autres jeux. Non, c'est ultra fluide, ouais. Putain, les gars, les bruits, c'est horrible. J'ai pas de lampe torche. Ou une arme, au moins. Oh. Bruh. Je peux pas récupérer le couteau, là? Le PC brûle pas encore, c'est bon signe. Non, mais j'ai une bonne config là, vous inquiétez pas. Allez, Caro, prends ton courage à deux mains. C'est ultra méga sombre, hein, par contre. Hein. Je pense pas que vous voyez grand chose, vous, sur le live. Oh, ça va, on va dire, j'ai la ring light pour éclairer un petit peu. C'est des corbeaux! Oh, on aurait dit des zombies, hein. Non mais c'est le tuto, c'est le tuto, c'est le tuto. Ils vont pas te mettre direct. Ils vont pas faire ça. Ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se passer. La porte vient juste de se taper. Ouais, ça va bien se passer. Hein. Alors on va pas aller là de suite. On va essayer d'ouvrir la porte. Tu peux augmenter un peu la luminosité si jamais. Pour vous ou pour moi? Pour les deux. D'ailleurs, les PC que vous aviez au TVG, vous en pensiez quoi? Les PC étaient bien. Après, j'ai pas non plus challengé non plus
des PC avec des jeux ultra performants, quoi. Mais non, par contre, les écrans étaient pas très bien réglés. Ils étaient un peu vieux, je pense. Ils ont fait un peu leur temps. C'est pas en caméra, du coup, c'est bien dans l'affichage. Ah, luminosité, voilà. C'est mieux, là? Oui. Oh, vous voyez pas, en fait. Sur mon retour de live, je vois pas du tout, en fait, le truc. Attends. Là, c'est peut-être mieux. Ouais. Je pense que là, c'est mieux pour vous. C'est le tuto. Le tuto du 7 et 8 était quand même intense aussi. Ah, arrête. J'ai pas joué encore au 8. Ce que je reproche, c'est que tu peux pas tuer des corbeaux comme dans l'original. Ah, je sais pas du tout ça. Déjà, j'ai pas d'armes pour le moment, donc... Ou alors, j'en ai une, mais... Ils n'ont pas dit, quoi. Mince. Je pense que c'est un peu mieux, ouais, en effet. Allez. Les portes, elles se ferment toutes seules! Ok, alors là, c'est des pieux. Ouh! Attendez, c'est en italien? Le jugement approche. Ok. On dirait des pieux de vampires. Attendez, c'était un... Ah, oh, j'ai cru que c'était un cadavre, mais non, non, non. C'était juste des vêtements comme ça, on va dire. Ah, on peut tuer les corbeaux? Mais j'ai pas d'armes. J'ai rien encore, là. À part la touche s'accroupir, courir. Oh, pitié, pas de screamer, pas de screamer, pas de screamer, pas de screamer. Pourquoi les portes, elles sont automatiques? Par les fameux corbeaux qui ont mangé les bijoux, des balles. Oula! Putain, les totems genre Blair Witch. Alors, j'ai jamais regardé genre Blair Witch, et trucs comme ça. Mais oui, du coup, c'est de la magie, là. Magie noire, sorcellerie. Ouf. Ouf. Astalfine, Bibimos, Contigo. Donc, c'est la fin. On vit... Contigo, bah c'est avec toi. On vit avec toi. No te meremos. Je sais pas. Donc c'est espagnol, c'est pas italien du coup. Mais ouais, y a c'est ça, à chaque fois cette forme-là, c'est très bizarre. Tu as une arme, tu l'as rangée sans doute, au pire, tu l'as jetée. Hein? Mais non, j'ai pas d'arme. Ouh, d'accord, il y a une serrure avec un code. Non, j'ai rien appuyé, les gars. Attendez, comment ça j'ai jeté mon arme, là? Ça se déroule en Espagne. Ouais, donc c'est pour ça que j'arrive à lire à peu près ce qui se passe. Tu viens de commencer la démo? Oui, je viens juste de commencer. Au pire, Léon connaît le kung-fu, mais pas moi. Non, mais attendez, comment ça j'ai jeté mon arme? Genre, Seros, quand il l'a fait, il avait une arme? Ouvre ton inventaire, start. J'ai pas. Comment t'appuies sur start sur la Xbox? Ou back? Back? Non, mais c'est pas maintenant apparemment pour l'arme. Bon, de toute façon. Hein. Here we go! Dès le début, normalement! Mais j'ai pas d'arme! C'est après avoir rencontré dans la pièce? Ah. Il y a des pièges à loups. Oh punaise. Derrière toi, derrière toi, derrière toi, derrière toi, derrière toi. Derrière toi! Il est pas humain! Ouf! Ok, j'ai une arme là! Mais Léon, il est pas humain! Tu peux pas lui parler en fait! Il y a plein d'ail partout. Oh, il parle espagnol. Le jeu est canon hein, par contre. Hein. Genre les reflets et tout, les cheveux, pff, oh là là. Tu sens la texture du col là. Ah bah, le policier là, il est là. Hein. Mario Fernandez, je ne sais pas. Ah, putain de... Il tourne jamais le dos. Ah oui, il connaît vraiment le kung-fu en fait. Hein. Il tourne jamais le dos quoi. La mèche de Léon en 4K, j'avoue. Oh! Je crois qu'il a un peu mal au cou. Oh. Oh non. Oh les gars, c'est super bien fait la transition de...
La transition, c'est quoi ce truc? Genre cinématique, gameplay, c'est super bien fait. Tu verras si c'est calme dès que tu auras le jeu complet vendredi. Non, non, je vais pas avoir le jeu complet, ouais, les gars. J'ai pas acheté le jeu. Nanananana. Castagno, policia activo. Ok, d'accord, ok, ok. Ok. Une tourte à la terre. Non, je pense pas. Bon, alors du coup, ouais. J'ai quand même une sorte d'aide à viser. Ouh, c'est très lent quand même, hein. Ouf, 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 ouf. Non mais moi j'aime pas les jeux d'horreur en fait de base les gars. D'accord, c'était pas un code en fait, c'était mon inventaire. Ok d'accord. Impossible pour moi de faire des jeux d'horreur à part The Last of Us, je préfère regarder toi ou Seros. Non mais moi déjà The Last of Us j'étais comme ça. Hein. Oh c'est sombre. Code d'ami. Ah non mais allume. Wesh. Léon. Allume en fait. Il le fait automatiquement. Bon déjà ça c'est pas mal mais... Oh mon... Dieu. Pourquoi ça se passe toujours dans des caves et des endroits sombres, hein? Ça peut pas être genre dans une villa avec des super grosses baies vitrées et des spots lumineux genre, hein? Hein? Te réveille pas toi, hein, s'il te plaît. Il y a une sorte de radio. Non mais te rapproche pas trop vite, s'il te plaît. Oh la vache, il a pris cher. Hein. J'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Non mais je parle beaucoup pour me rassurer les gars. Hein. C'est quoi ce bordel? Derrière toi? Derrière toi? Sortir de la maison. Ok. Ah! Le tuto pour viser tirer. Ouais. C'était quoi? C'était un truc qui veut te tuer. Putain, j'y crois pas. Hey, mais putain. Mais non. Oh putain, je suis trop nulle. Oh non. Je suis mort direct là. Mais wesh. Mais il faut combien de balles? Se mettre à chanter. Ouais, je vais chanter. Je suis nulle. Je suis trop nulle. Sans spoiler le jeu, pour ceux qui l'auront vendredi, RE4 remake, vous n'aurez pas de repos. Oh. J'ai qu'un seul truc pour me soigner. Oh mon dieu. On pense avoir tout vu. J'ai genre 4 balles. C'est la merde. Mais ça c'était humain ça, non? Ou c'est pas vraiment humain ça, non? Rien à gauche? Je peux la jouer en stealth? Attends, je peux regarder ce qui se passe? Bon, ils sont pas très gentils. Alors j'ai pas vu ce qui s'est passé, ouais, mais I guess, merci. Je suis sûre que je peux sortir sans engager le combat. Hein? Attends. Attends, il y avait un étage? On était passé à l'étage? On était pas passé à l'étage? Je sais plus. Oh, je sais plus, les gars. Ah si, c'est bon. Un give-up à cause de la peur? Non, j'espère pas. Mais c'est juste que j'ai 4 balles. C'est un bot? Ok, d'accord. Ça marche, merci. Bon, déjà, on n'a pas engagé le combat. Moi, ça me va. Hein. Ouf. Si je peux skip des mobs... Ah, ça c'est la fille du président, du coup. Hier soir, ici Condor 1. Ici Hannigan, du nouveau? La fille du président. C'est cinématique. Elle est sûrement dans ce village. Nos infos étaient correctes. Bon boulot.
Il me faut l'itinéraire vers un lac. On l'a peut-être emmené. C'est vrai qu'Atlas il fait super sombre, mais il a quand même un peu de lumière, quoi. Dépêche-toi. Et le jeu date. Quelque chose est arrivé aux gens d'ici. On escorte. Oh putain. Oh c'est Shining. FBI, je te rappelle. Oh c'est Shining. Oh putain. Oh ils sont deux. Ils sont trois. Grenade. Grenade. Non. Ok d'accord c'est bon. Ouais ça marche aussi. Non je vais pas l'acheter. Non, non, non. Ils me suivent. Ça va. C'est pas des zombies tels que je l'aurais imaginé. Merci beaucoup Aidan pour le follow. Bienvenue à toi. Je pensais que c'était des... En fait... Bah après je sais pas trop hein... C'est quoi l'histoire du jeu? Ouh, un pont pas du tout effrayant, avec plein de sang. Mais ouais, non, du coup, c'est des zombies qui peuvent tenir des armes et tout, qui ont... Oh, il y a un corbeau. Bonjour, ça va et toi? Je suis un peu... stressée, apeurée, flippée, tout ce que vous voulez. Donc ouais, il y a bien les espèces de trucs jaunes, comme dans Resident Evil 8 Village, et comme dans... De la soft fesse, hein. Ok, donc en cassant les trucs, je peux avoir des munitions. Très cool, ça. Très, très cool. Tu pouvais pas choisir la difficulté? Non, 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 dans le jeu normal, oui, mais... Pas dans la démo, du coup. Ok, alors je peux pas utiliser la machine à écrire, je sais pas pourquoi. J'ai pas d'encre. Ok, de la poudre noire, je pense que c'est pour utiliser pour faire des munitions plus tard. Alors attends, l'histoire se déroule 6 ans après les événements de Resident Evil 2. Elle met en scène l'agent... Ouais, ça c'est bon, ça, c'est ce qu'on avait vu dans le début. Par une mystérieuse secte. Ce ne sont pas des zombies, mais ils sont contrôlés par un parasite qui s'appelle Las Plagas. Les plagues? Enfin genre mince, comment ça se dit les trucs dans la Bible là genre en Égypte. Les plaies? Les plaies? Pas de sauvegarde dans la démo. Il n'y a pas de sauvegarde dans la démo, oui. C'est pour ça que c'est y a la machine à écrire qui ne marche pas, alors. La machine à écrire, c'est sauvegarde. Ok. C'est pas les cassettes aussi dans les RE? Attends, c'était... C'est des corbeaux. Oh, là, il fait jour. Oh! Merci. Merci, les gars. Je préfère la journée. Littéralement. Genre, si on peut faire attendre quelque part... pour que ça passe... Attends, c'est un loup femme? Ah non, c'est un loup, d'accord. Je crois que c'est des trucs de femme. Enfin, des membres, genre des bras de femme et tout, mais en fait, non. Par contre, ouais, ça chien, quoi. Hey yo, Cloud! Ça va? J'ai pas un truc pour révéler les ennemis, hein. C'est trop facile, ça. Genre un mode écoute... dans The Last of Us, non? En espagnol, Las Plagas, ça veut dire nuisible, donc parasite. D'accord. Je crois que c'était comme des plaies, ouais. Ok, j'ai des munitions, ça c'est très très cool. Ça va pas s'effondrer, ça? En mode Uncharted? Je crois que j'ai jamais autant parlé de ma vie. Le pire qui m'a fait peur, dans la... c'était les premiers RE, les vrais zombies. Ouais, les vrais zombies qui veulent te bouffer. Donc là, c'est un parasite qui les contrôle, ok. C'est pour ça qu'ils ont les yeux rouges. Attends, ça veut dire que je peux aller par là. Pour récupérer un objet là-dedans. Par contre, ça fait du bruit, ça va pas m'attirer. Des pesetas! Bah, à quoi ça va me servir, je ne sais pas. Ah, il y a peut-être une boutique en fait. Ok. Coucou les Nerouds, j'espère que tu vas bien. Le bot dit sauvegarde, donc. Dès que tu dis sauvegarde, donc voilà. Oui, oui, oui. C'est automatique, ouais. Attendez, je vais fermer la porte de mon studio parce que bah, elle est un peu grande ouverte et j'ai peur. Genre, je vais voir des trucs dans mon champ de vision alors que c'est pas du tout. Tu peux les avoir sur les corbeaux aussi. Les pesetas? Trop bien. Parce que si j'arrive à avoir peur dans la nuit... Mais la porte s'ouvre toute seule en fait. Oh mon dieu. C'est pas grave. Si j'arrive à avoir peur dans la nuit... qui a une silhouette alors que c'est juste mon manteau noir en laine suspendu au truc, voilà quoi. Les anciens savent Stranger. Ouais, moi je connais pas. C'est Sarah qui fait bouger la porte. Non, j'espère pas. Arrêtez, je suis déjà pas du tout rassurée là. Je connais l'histoire par cœur, même les monstres. Oh oh. Oh oh oh. Attends, on peut pas esquiver, d'accord, ok, d'accord. Par contre, je peux aller au corps à corps. Ouh!
Ok, je vais y aller en corps à corps en fait. Je vais y aller comme ça. Oh merde! Ouf! Putain, c'est un couteau de compète qu'il a. Hein. Nice. Il est pas mort! Oh, Burk. Il y a des pesetas à ramasser. Ok, j'ai pris un peu cher. Ouf. Je vous ai dit votre maison est hantée. Ça, j'en suis sûre. J'en suis sûre et certaine. Donc, déjà, j'ai pas de truc pour savoir où sont les méchants. Ok. J'ai pas de bouton pour esquiver. Ou alors... Ton couteau a une barre de vie. Non. Oh, non. Non. Sérieux? Oh non, il est déjà à la moitié. Horrible. Pourquoi ils sont si violents? C'est horrible, hein? Non mais, on peut esquiver quand même ou non? Bruh. Faut qu'on avance parce qu'on a dit, faut pas... Oh merde! Mais non! C'est dead by daylight en fait, hein. Putain... Pas courir. Attends, il y a peut-être un truc là. Oui, il y a un truc là. Hi! Recharger! Oh merde! Oh merde! Non! Non, non, non! Non, 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 non! Je galère avec un pauvre petit bouc, quoi. Coucou Sia, bienvenue sur le live. Ça, je valide pas. Le couteau, c'était la vie. Ils nous font ça. Oh, sérieux, le couteau était pas illimité avant? Oh non. Ça craint, ça par contre. Hein. Grenade aveuglante. Ouh. J'aime le non. Ah non, mais je suis en panique, vraiment. C'est pour soigner, ça? Herbe rouge. Donc j'ai un menu de fabrication. Raccourci d'armes. Vous pouvez mettre une arme en raccourci en la sélectionnant au menu objet. Il est possible d'assigner jusqu'à 2 armes par direction pour un total de 8 armes. Ouh. Dans 5 minutes, elle a plus de couteau. Non, ça va être horrible. USP 45, l'arme de Léon. Là, j'ai un SG-9R, un pistolet sur mesure pour Léon, bien qu'en reprenant le design de base du MUP. MUP? Ces pièces ont été choisies avec soin pour de meilleures performances. Oh, attends, mon couteau, les gars. Oh, aïe. C'est plaisir de voir une rayonnaise qui stream. Ouais, alors par contre, j'aime pas les jeux d'horreur. Désolée. Oh, mon Dieu. Ok, j'ai pas encore de trucs... ok, je peux mettre... Attends, comment on active? Comment on met? Je pense qu'on peut en acheter un couteau infini à la fin du jeu pour une New Game Plus. Ouais, mais c'est nul si c'est comme ça. Ah, je peux rien mettre d'autre parce que ça, je peux pas l'utiliser seul. Et ça non plus. Ouais, alors je vais peut-être pas lancer la grenade de suite, si. Oh, coucou Alva, ça que tu vas bien. Je sais pas si tu comptes faire le jeu. Ou si tu as déjà fait la démo, au moins. Moi, je suis en PLS. Bonjour. Enfin, bonsoir. Bonsoir. Putain, mais les bruits. Je suis parano, moi. Oh, mon Dieu. Bon, alors, je vais peut-être mettre la grenade, alors. Ouf, je sais pas. Non, on va garder ça. Par contre, je peux pas me soigner. C'est horrible. Ah. Les têtes qui tombent par terre là, allez. Yes, ok, grenade. Oh, je peux les observer. Ouh, ils sont nombreux. Ouh la vache. Oh la vache, ils sont ultra nombreux. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une poule. La poule, elle est méchante, vous pensez? Oh, bûcher. Il y a quelqu'un, ouais, au plein milieu par contre. Hein. Ah, je peux zoomer. C'est un autre policier, ok, d'accord. Oh non! Oh mais non, mais il est vivant! Oh putain! Faut que je soigne? Enfin, faut que je sauve? Mes carreaux sur la télé. Non? Non, c'est mort, je peux pas le soigner. Hein. Quel moyen de savoir si la poule est méchante? C'est horrible, les gars. Ben, ça va être compliqué! N'est-ce pas? Oh! Ça a pas servi une merde.
Oh là là. Survivre à l'attaque. Oh. Oh. Bah c'est mort. Oh, oh j'ai fait un QT de la folie les gars. Ouais foutez-moi la paix. Ah faut que je recharge. Oh. Oh. Attends il y a une mamie non. Attends cours 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 cours. Cours 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 cours. Cours 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 cours. Attends il y a trop de gens il y a trop de gens. Ah, faut que je recharge. Punaise. Hi. Léo. Survie. Fais pas le con. Oh non. Il y a trop de gens. Oh. Attends, il y a du soin là-bas. Il y a du soin, il y a du soin. Ramasse. Œuf de poule brun. C'est pas du soin. Oh non, j'ai plus de couteau. Oh putain. Si, j'ai encore un couteau. Oh là là. Oh, mais ils sont combien, mon dieu. J'aurais dû mettre la grenade maintenant, en fait. Ouf. Bon, bah, Léon est down. Si, les œufs sont du soin. D'accord. Cours dans le village sont arrêtés. Je pouvais. Oh. Y'a trop de gens qui t'aiment et tu ne les vois pas. Je suis désolée. Je s'appelle Zelda, non? C'est bon, tu peux buter la poule. Une herbe verte et c'est reparti. Non, il fait pas d'herbe verte. J'ai pas fait la démo, mais j'ai fait tous les RE qui sont sortis récemment. Mais j'avoue, celui-ci, je me fais caca dessus un peu. Non, mais là, moi, je ne connais pas RE. Sinon, soigne-toi. Mais je peux pas me soigner. J'ai une herbe... Oh, je reprends pas depuis que... Je reprends pas depuis tout le début. 30 minutes de jeu. Ça fait déjà 30 minutes! Oh mon dieu. L'œuf, ça soigne. Mais je peux l'utiliser comme ça? Oh. Ok. Je me demande s'il y a un moyen de le sauver, ce mec. Léon? Ah non, le... Le policier? Non, mais ils sont trop nombreux, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop. Bon, faire la cinématique, là. Ouais, c'est la démo, mais Sarah, ça avait dit que normalement, on pouvait... On devait recommencer tout depuis le début. C'est des protéines. Mmh, c'est vrai. Bah on va courir alors, hein. Est-ce que je garde la grenade aveuglante au cas où? Allez, on se casse. Attends. On se casse peut-être par là. Oh, attends, c'est quoi ça? Oh! On doit être deux normalement pour faire ça? Merde. Je peux pas escalader du coup. Oh, il y a une herbe verte là! Oh! Donc c'est herbe verte plus herbe rouge pour le soin. Il y en a une qui est là. Ah, il faut une clé, ok. Je vais couper par les trucs, hein. Par les maisons. Des pesetas. Alors par contre, quand je sors, il y aura une mamie sur le côté droit. Coucou Azeldine, j'espère que tu vas bien. Ça va pas très bien. Comment ça a été sur Inside et cette démo sur de RE4, plus que deux jours avant la sortie. Au fait, tu poses merveilleusement bien pour Crystal. Oh, c'est trop gentil, merci, merci. Mais coucou Fallen, j'espère que tu vas bien. Enfin, Fallen, excuse-moi. Mais... ça va, ça va. J'essaye de faire la démo de RE4 et après on continue Inside. On a la moitié du jeu sur Inside, donc c'est cool. Ce stealth. Ouais, j'essaye. Hein. Oh, oh, oh. Est-ce que je peux la voir en... Oh, shoot. Oh, shoot. Ouais, elle, comme ça. Voilà. En mode Assassin's Creed, là, c'est parfait. Oh, elle loot de la poudre. Ok. Allez, 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 allez. Doucement. Pesetas. Donc il y a l'autre mamie qui est là. Et j'ai des caisses à casser, donc pas mal. La poule ne me trahit pas, s'il te plaît. Ok, très bien. Cool. Est-ce que je peux casser ça sans faire trop de bruit? Yeah. Je m'en fiche des pesetas, là. Oh, hé.
Moi, je veux juste me casser d'ici. N'est-ce pas? Je sais pas du tout où est-ce que je dois aller, les gars. J'ai trop peur. Après, j'ai moins peur parce que c'est la journée. Et parce que je peux me cacher. Le son est super bien fait, hein, parce que c'est ultra immersif. Hein. Il n'y a personne, là. Ferme la porte, voilà, nickel. Oh, j'ai une caisse à casser. Ok, super. T'as tué une mamie. Ouais, bah, mamie traillette, voilà. Mais de rien, vrai et sincère, ça peut te rassurer. Je suis pas mieux, je me suis blessée hier au niveau de la hanche droite et c'est douloureux. J'espère que c'est pas une tendinite. Comment ça se fait que tu t'es blessée? À la hanche, en plus? Sauf qu'avant de se casser, il y a une certaine fille de président à trouver, il paraît. Ah, oui, c'est vrai. Elle est dans le village, du coup. Oh. Donc faut que j'arrive à trouver où est-ce qu'il la retient. Shoot. Non, la porte elle s'est ouverte toute seule, papy. Hein. Vas-y, va là-bas, va là-bas. J'ai vu. Ouais, vas-y, vas-y. Va là-bas, va là-bas. Allez là-bas, là. J'aime bien qu'il y ait des petites ouvertures comme ça où tu peux voir quand même ce qui se passe. C'est bon là, non? Oh, non, c'est pas bon, ça. Allez. Mêlée. Ouh. Ok, j'aime bien. Je sais pas s'il faut que j'aille. Si je me cache, c'est bon ou pas? Non, c'est pas bon, hein. Ah, non, c'est pas bon. C'est pas bon, une merde. C'est pas bon, une merde. Je me suis mis dans la panade. J'aurais plus de couteau. Je peux pas sortir. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Ça suffit, hein. Oh. Oh mon dieu. Pour se soigner, il faut que je... J'aille dans mon inventaire. Attendez. Tactique de speedrunner. C'est une démo, t'excites pas trop, tu verras pas H. Bah il faut que je fasse quoi du coup dans la démo? Non, on run dans le village sans t'arrêter. On lui dit pas, on le dit ou pas qu'il faut déclencher la bagarre, sinon il se passe rien. T'as juste rigolé, ça s'est déclenché en finissant de game. En me levant de ma chaise, j'ai m'asseoir de la plus mauvaise des manières, je suis une quiche. Mais non! Oh! Attendez, je peux fabriquer des objets là. Du coup, faut que j'utilise de l'herbe verte avec de l'herbe rouge, c'est ça? Ah bah non, je peux pas utiliser ça. Juste de l'herbe verte? Attends, elle est où mon herbe verte là? Ah, ma vie, elle est à... Ok. Bon, faut que je cours dans mon village sans m'arrêter. Ok, d'accord. Je cours. Allez, cours. Léon, je sais pas où est-ce que je dois aller. Mais je cours. Faudrait-il que je cours tous les jours? Flûte. C'est pas ici. Casse-toi, Léon. J'ai mangé l'herbe, ok d'accord. Casse-toi! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, les gars? Oh non! Mais je voulais pas... Ah! Oh, dans une maison, il y a un fusil à pompe. Mais laquelle de maison? Je suis revenu au même endroit, là, non? Oh putain, attends, attends. Il y a tout, je pense, retourner vite. Sinon... Appuie, 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 appuie! Il y a pas... Merde. Non, non! Oh! Coucou Wardaddy, j'espère que tu vas bien. Oh non! Non! Oh mon dieu! Mais c'est quoi ce... Ah! Non! Attends, c'est pas la même porte! Il est où l'autre avec la tronçonneuse là? Attends, on coupe! Ah non, on coupe pas! Dans n'importe quelle maison, il y a un fusil à pompe. Ah! Oh! Il est où le fusil à pompe, bordel? C'est là où j'ai tué la mamie, c'est pas ici, je sais. Ouais, il y a Chainsaw Man, les gars. Oh, c'est stressant. Oh, oh mon dieu, non! Pas par ici! Ah, il y a une grenade. Ouh! Il y a une grenade en vrai.
Si j'utilise une grenade... Allez, boum. Je peux faire mêlée partout. Mêlée, mêlée, boum. Bon, pas mêlée, non, 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 non. Pas mêlée là, pas mêlée là. Oh putain. Oh, la musique par contre elle est géniale hein. Ah, mais ça suffit. Oh, il faut une clé partout. Non. Les gars, il y a trop de gens, c'est horrible. Je sais pas où il faut aller. Oh. Oh non. Oh non. Oh non. Non. Mais c'est clair. Oh, il y avait une herbe. Oh non, j'aurais dû prendre l'herbe. Je peux pas sauter en plus. Ah attends, il y a un truc qui se passe là. Oh. Ah, oh, ça se... Mais il y a trop de maisons, je sais pas c'est quoi comme maison, les gars. Los Invoca. Je veux pas jouer au jeu, c'est mort. Oh bordel. Ça va partir sur YouTube, ça c'est sûr. En plus, je respire pas. Je vais devoir me reprendre une douche, les gars. La seule maison avec la porte ouverte. Bah, je sais pas, il y avait une porte ouverte. Ouais, je vais me reprendre une douche. Si à jouer, t'avais 8-9 ans. Mais comment? Mais moi, je regardais même pas Mars Attack à 8-9 ans. Ah bah putain. Ah bah ça donne un parfait avant-goût du jeu hein. Y a une fête. Ouais, avec le signe du coup. Maintenant que t'as le nez grand ouvert, tu vas pouvoir faire de l'hyperventilation. Coucou Marina, j'espère que tu vas bien. Je tremble encore. Je pense que je vais y jouer maintenant que je t'ai vu. Quoi? Tu vas refaire la démo? Pas de soucis Lily May, bonne soirée à toi, gros bisous. Ennemi tué 13. Je vois même pas comment j'en ai tué 13, mais c'est pas grave. Waouh. Eh bah sans moi. Hein. Si déjà je peux faire Resident Evil 8, ce serait très cool.